Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de ma prépa physique qui va être différente des années précédentes parce que je ne vais pas forcément m'accentuer là-dessus que sur le football. Les deux prépas physiques que je vous ai partagées sur YouTube l'année dernière et l'année encore d'avant, je faisais pas mal de travail d'appui, de travail qui me permettait d'être bon sur le terrain on va dire. Mais là en fait elle va être différente parce que forcément je vais en faire du foot, je vais faire des entraînements de foot, mais je vais en faire beaucoup moins. Là je vais plus aller courir, je vais faire des entraînements intensifs, mais d'autres sports, j'ai envie de toucher à tout, c'est la prépa, c'est les vacances. Certes c'est une prépa qui va permettre d'être prêt pour le foot, mais pas que en faisant du foot. Je veux en faire, mais je ne veux pas faire que ça, je vais beaucoup faire de tennis par exemple. Je fais du tennis avec des potes là depuis une ou deux semaines. C'est parti pour l'épisode 1 de ma prépa. C'est important pour moi, pour ma prépa physique on va dire cet été, parce que les appuis qu'on retrouve au tennis c'est plus ou moins ce que tu retrouves au foot. C'est pas exactement les mêmes puisque la surface et les crampons ne sont pas les mêmes, mais on va dire que c'est des petits appuis à droite, à gauche, en haut, en bas, et puis ça des sprints et etc. Donc tu as des temps morts, tu reprends, donc c'est à peu près les mêmes, donc ça peut être hyper intéressant. Et en plus de ça, ça bosse le cardio. Et en plus de ça, moi je suis quelqu'un de compétiteur, j'aime gagner. Le problème c'est que je gagne jamais au tennis, j'avais jamais touché une raquette de tennis de ma vie. Mais bon, c'est pas grave, l'objectif c'est de s'amuser, prendre du plaisir, courir et puis essayer de l'accrocher si je peux. Donc je vous montre ça, let's go. I can feel the power, I can feel the power. Feel the power. Yeah, money that is time and hour. Time and so, hours. Yeah, well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been really safe and I ain't giving up and I ain't giving in. Do it now, fuck the dividends, I'll be on the path. I just gotta get it cause I got my mind on some bigger things. Oh man, I ain't gonna give in now, I just gotta live this now. I'm gonna be man, I'ma kill this stuff real quick. I'ma go take it to town cause I gotta be that king in the ring. When I'm knocking it out, when I'm back with the blue. Cause I am just up on the journey, just know that I'm just going insane. I do, I could never get no sleep. Cause I just need to get it, man, I need to be the thing that I just painted out, man, you won't go see. See my vision, I'll be in it, I'ma kill it, I'ma take it all. Coming in, I'ma play it now, I'ma kill him dog, I'ma play the ball. Cause I gotta go and get it, man, I really just need it. Tell these guys that they can beat it. I'ma give it, I'ma grab it, man, take it, never receive it. I'ma make it mine, I'm explosive like a mine. I've been working every time, yeah, I do it on the grind. I'ma shine, yeah, every single day. I'ma kill this competition, cause I'm going so insane. Hey, I really go as I was saying. Yeah, I guess really ran through the pain. But I'm just back on my path and I fixed it now. It's really all okay. So I ain't gonna waste my chance and just my time. So I'ma be a monster, I'ma kill him. This is mine, yeah, yeah. Fire, I got a million desires that I just need to go achieve. I just need to acquire. So I've been climbing up this ladder. Yes, I'm going up higher. I need to do it till the day that I might retire. J'ai pas gagné un match. Tennis fini, je viens de rentrer chez mes parents du coup. Je sais pas si je repars demain refaire un tennis ou pas, mais là on a fait 4 heures de tennis. On n'a pas vraiment fait de match puisqu'on était 3, on a fait un set à la fin avec Mathéo, je perds 6-3 je crois. Mais on s'est vraiment bien entraîné, 4 heures de tennis dans les pattes, ça pique.
Ah, petite séance finie avec la balle et les cerceaux, donc j'ai bien travaillé avec très peu de repos et ça travaille un peu les cuisses aussi. Donc comme je vous avais dit début vlog, c'est un vlog, il n'y aura pas énormément de football, il n'y aura pas énormément d'entraînement de foot. Je vais essayer d'en faire dans le prochain épisode et aussi il n'y aura pas beaucoup d'épisodes parce qu'il y a, en vrai c'est toujours la même chose et j'ai pas forcément besoin de le montrer, c'est mon quotidien. Donc si c'est toujours les mêmes vidéos, je vois pas trop l'intérêt, mais je vais essayer de varier quand même quelques fois. Début vlog, j'ai dit que j'allais faire beaucoup moins de séances de foot dans mes prépas physiques qu'avant, ou alors j'allais pas vous la montrer, ou j'allais moins vous la montrer. Là, je vais en faire une qui va durer une heure, donc je vais vous montrer quelques extraits comme d'habitude, et ça va juste être du travail technique, donc avec ballon, tout ce qui est jonglerie, peut-être un petit peu de freestyle, etc. Et puis après, vraiment quelques ateliers techniques qui servent, pied droit, pied gauche, avec des passes contre un mur, etc. Ça va être soft, ça va être bien. Et puis ça vous montre aussi que voilà, on peut faire des séances de prépa physique sans forcément se la donner à fond tout le temps. Bon bah c'est une fin de séance, j'ai bien travaillé 45 minutes exactement et très peu de repos encore une fois. Là c'est le cardio, hein. C'était pas le renfo, c'était que du cardio technique. Le pied gauche, on voit qu'il est clairement en dessous du pied droit. Je pense que j'ai un bon pied gauche par contre, mais de là à faire d'exercices techniques très rapides comme ça, non, la preuve, donc il faut encore que je travaille dessus. Mais ça je pense que c'est tout le monde, mais voilà, j'aimerais encore l'améliorer. Sinon au niveau du pied droit c'était pas mal, j'ai fait à peu près ce que je voulais faire. Ouais, je transpire beaucoup, donc je sais pas si ça se voit, je pense que oui à la cam. Voilà, je dégouline, donc j'ai bien travaillé. Deux séances aujourd'hui, tennis, foot, hier kiné, tennis, encore avant-hier tennis, bref. En ce moment je suis pas mal. Après-demain c'est course à pied. Je sais pas si je vais vous montrer, ça dépend. Si ça peut être intéressant à montrer ou pas du tout, je vais bien voir. Bon, en tout cas, voilà, c'est la fin de ce premier vlog qui était pas long, mais je pense qu'il était intéressant, où je touche à tout, à tous les sports. Je pense que c'est différent qu'on monte uniquement que du foot. Dites-moi si ça vous a plu en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit like. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine, ciao.